Et salut les amis, aujourd'hui là, je vous retrouve à un endroit que vous connaissez, c'est l'atelier de César. Donc vous savez, c'est lui qui fabrique des belles tables, des dressings et tout ça, des trucs de dingue. Et aujourd'hui, il m'a invité pour venir parce qu'il m'a dit qu'il va faire des coulées d'époxy et il va nous montrer ce que c'est sur une table. C'est vachement, vachement beau. Salut César, comment tu vas? Ben ça va. Du coup, ouais, aujourd'hui, on va voir comment on fait pour faire une coulée d'époxy sur une table basse. Une table basse, enfin, quoi. Plusieurs tables basses, parce que pour l'instant, il y a deux bois. Donc là, ça va être une petite table basse avec une résine, enfin deux coulées de résine, ouais. Deux couleurs. Donc là, il y a déjà eu une première coulée d'un centimètre et puis on va faire la deuxième. Et c'est vachement beau, là, un peu touché parce que c'est froid, mais c'est, les amis, on dirait du verre. Ça fait même penser à l'usine, c'est qu'ils fabriquent des bonbons quand t'es tiré, le truc comme ça. Là. Et avant ça, tu m'as dit que tu dois mesurer, je sais pas quoi, tu dois faire pas mal de choses. Je mesure pour calculer le volume de résine qu'il me faut. Ouais. Et après, ben, on prépare le mélange, on met les pigments, on touille et puis on coule. Et bon, voilà, ça, et on met le masque pour nous protéger. Oui. À cause des influves du produit, quoi. Ok, ça marche, on va faire ça. Alors César, dis-moi juste avant de couler l'époxy, dis-moi comment tu calcules, tu sais, tout ça, t'as le volume, tout ça, à remplir parce que là c'est plus gros, là c'est moins épais, enfin... En gros, je prends la surface moyenne ouais. de la coulée que j'ai à faire, parce que bon, bah, c'est pas droit, donc faut prendre une moyenne mm-hmm. des deux coulées. De là, je viens calculer mon volume. En l'occurrence, là on est à 0,66 litres. Donc, il y a deux couleurs. On divise par deux, ça fait 0,33 litres. C'est vraiment des maths. Le travail des menuisiers, c'est même des maths. Petite mathématique. Ensuite, je sais que j'ai un ratio résine durcisseur de 1,47. Donc, c'est à l'équivalent d'un tiers de durcisseur pour deux tiers de résine. Donc, bah, 0,33 divisé par 3, ça fait 0,11. Donc, on fait 0,11. Fois 1,47 et ça me donne non c'était pas ça, je me suis trompé. Donc ça nous fait 0,22 litres de résine pour arriver après à 0,33 litres de résine plus durcisseur. D'accord. Et une fois que c'est mélangé, ben, on met voilà. Le piment. On fait d'accord. Voilà, la petite bourre. Il m'a vu rire, c'est pour ça qu'il a. Mais ne faites jamais m'éluser par votre bon en maths. Je vous le dis. Là les amis, vous voyez, on est tous protégés. Oui, ça fait la marée d'un croix d'eau. Je suis ton César. c'est foutu pour donner. Quoi. Alors, oui. La César il procède. Donc on monte en mal, c'est normal, c'est à cause du masque. Et, ah, petit préciso, César, il aime bien les petites licornes. Et les arc-en-ciel aussi. Et les arc-en-ciel. Donc là, je fais mon mélange résine durcisseur. Oui. Hop. Oh, c'est bon. Alors, je parle, il a dit fait le mélange résine durcisseur parce qu'avec les masques, on n'entend pas bien, c'est normal. Ah, la petite piquante, ça me pique pas. C'est. C'est. Ouais, c'est. Et là, on touille doucement, on touille, on touille. Ouais. Donc là, il faut touiller 3 minutes. 3 minutes de la touiller ? Ouais. Ah, je coupe et je reviens quand c'est fini les 3 minutes. Ouais. Ça pense à un bon petit gâteau. Et en fait, quand les filaments qu'on voit dedans sont plus apparents, que c'est totalement transparent, c'est que c'est bien mélangé. Impeccable. Donc César, là, tu mets la couleur, c'est ça? Ouais, c'est des pigments. Ah, mais c'est de la poudre, ouais, exactement. Et ouais. Bah, il me semble que c'est les pigments qu'on peut se servir pour faire des savons, des bougies, même du maquillage, je crois. Ah ouais, carrément. Et les bijoux. Les amis, on essaie de parler fort, mais c'est compliqué avec le masque, mais c'est côté obligé. Et aussi, pour dire, César, là, des gants spéciales. C'est des gants au... En nitrile. En nitrile. Ouais. Là encore tout petit coup, je ne sais pas, tu vois. On fout sur les tuyaux. Et on touille. Merde. Tu sonnes. Ah, désolé. Alors, je m'excuse, mon téléphone, car ton c'est pour ta compte nouveau, c'est pour le compte CPF. Voilà. Et en même temps, on a profité pour écouter le groupe Mélodias de Boumas. Petit carton de produit. Ouais.
Donc César, c'est un, l'autre fait deux couleurs. Hein. Dans le vert et dans le bleu. Et voilà. Ça, c'est de la boue. Hein. Wow, là, que c'est de la boue, là. C'est magnifique. Hein. Wow. Ah, ça fait mal, tout beaucoup plus vite. Ça se voit plus que c'est qui fait les gâteaux. Hein. Faut pas faire les bulles. Blancs, faut pas faire les bulles. J'ai encore le temps de gronder à cause de toi. Donc maintenant, les amis, on va faire la coulée d'époxyde. T'inquiète pas comment toi, parce que... 1, 2, 3. Alors, ce que vous voyez là, c'est qu'ils ont pu faire en simultané. Pour que ça fonctionne bien. Tu vois ? On va rajouter un petit peu. C'est incroyable. C'est beau. Je vous dis, c'est super beau. J'espère que ça va se voir à l'image. Non. Ok, on y va. Vas-y. Ce qui est sympa, c'est que c'est un vrai travail du couple. Oh oui. T'as César et son chef. Et son chef, ouais. Ouais, c'est un travail de couple, on va dire sans doute. C'est ça, quoi. Comme si la femme, c'est toujours le chef. Mais c'est pas fini, hein. Oh, t'as fait des catastrophes. Ouais, t'as fait une catastrophe. Ok. Et toi, quelque part, en pliant, il donne une sorte de modèle, de machin, ouais, ça, tout ça. Plus tard, c'est plus tard, dans une heure. Plus tard, ouais. Ouais. Mais t'attends plus. C'est la concentration. Ouais, je suis fasciné. Ça me fascine de voir ça. Si on t'entend plus, c'est pas normal. Ouais, c'est. J'étais en plein dedans, j'étais en plein. C'est bon, chérie, merci. Tu m'appelles pas chérie quand tu dis ça, c'est bon. Maintenant quand je vois ça, j'y mets n'importe quel enfant, non, on a envie de toucher, tellement c'est beau quoi. T'as envie de toucher, hein, c'est ça? Ah ouais, moi j'ai envie de toucher, quoi. Pas toi, hein, les foxy, là. Wow. Les amis, c'est super beau, quoi. Alors, je précise aussi, pour ceux qui demandent, des petites taches, tout ça autour, ça, c'est normal. Tout ça, ça va poncer, tout ça, ça va disparaître avec le temps, quoi. C'est normal. C'est normal, j'ai fait voilà. des On appelle ça des flaques. Des flaques en alsacien. Est-ce que t'as un flaque? Voilà, moi, si j'ai un flaque, ouais. Enfin, même dit des fois, t'en as dans ce type, mais là, c'est l'approche, quoi. C'est bon? Donc des amis, petit bonus, César il va couler ben, les cadeaux qui font client, c'est-à-dire il va faire des moules en silicone et il va couler l'époxy dedans, il va faire des sortes de petits bijoux, on peut appeler ça. Hein. Ouais. Il ouais. Faut être des porteux, créer des tendances. Des porteux, créer des actifs. Et c'est trop classe, sérieux. Bon là du bicolore, c'est une première. Ouais. C'est incroyable, tout ce qu'il fait pas quoi. Et ça c'est délégué à qui ? Aux clients, c'est leur cadeau. C'est vrai. Et l'idée de départ, ouais. L'idée de départ. Ta femme, je parie, non ? Oui, très certainement. Ouais, c'est vrai. C'est toujours les femmes, de toute façon. Mais c'était pour pas avoir de la perte. Oui. Incroyable. Ouais, avec des pipettes et tout, c'est fou, quoi. Ouais. Oui. Wow. Ouh, j'ai l'impression. Donc, César, là, tu m'as montré comment trouver l'époxy. Et là, tu l'avais déjà fait, quoi. Et là, t'as une planche là-bas où ça, c'est pas fini. Terminé. Ça, c'est pas terminé, ouais. C'est en plein création. C'est fini, c'est du cerisier. Ouais. Et après, tout ça, ça va être assemblé et ça va donner une belle table. Et justement, ces tables-là, elles seront disponibles à la vente sur le site. Sous peu, ouais. Sous peu, ouais, bientôt. Également des dressings et plein d'autres meubles que tu fais. T'as même fait des portes de garage. Ouais. T'as fait tellement de choses en ce moment. Enfin, en gros, tu te diversifies, mais à l'extrême, quoi. C'est impeccable. Ouais. Tu fais tout. J'aurais pas pensé. Mais... T'as même fait des tables pour les enfants, j'ai vu. T'as fait, tu sais, les petites. Hein, t'as vu, mais je suis sur ton Instagram, je regarde toujours. Donc, bah, j'ai envie de rappeler aux gens, pour te trouver, c'est facile, c'est Rue de la Rivière. C'est ça, le 41. Le 41, je voulais voir si tu le savais. Et, et les gens, s'ils veulent te contacter sur le site, ils vont sur le site. Chef, t'es où ? www.lateliedecésar.com. Voilà. Ou le Facebook ou l'Instagram. Et c'est la cause, heureusement qu'on a nos femmes, quoi. Voilà, lui c'est les mains et les femmes, c'est toujours la tête. J'ai la même chose à la maison. J'ai les deux. T'as les deux, quoi.
C'est ça que j'aime dans les vidéos. Ça, les amis, là, je vous ai montré comment il fait de l'époxy parce que c'est quelque chose de très rare. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. C'est super intéressant à voir. Et bientôt, on va revenir parce qu'il va nous montrer qu'il est en train de fabriquer un dressing qui fait plus de 3 mètres de long. Hein, c'est ça hein. Non, 2,60 m. 2,60 m. Bah, c'est 3 mètres, c'est pareil. Hein. Là, je suis fort en maths. So, j'espère que cette vidéo vous plaira. Partagez au maximum. Mauskut, Holtz, comme je dis toujours à la fin. Salut, Bissom. Salut, Bissom. Je m'isle.